c'est dans le monde. Je suis désolée, mais t'es sur la table, si c'est bien, j'ai vu, mais t'as mangé. Tout commence toujours par la progression exclusive d'un objet. Ou d'une femme. Ou du pouvoir. Et l'amour propre qui se compare aux autres ne l'est jamais, lui, heureux. Non seulement il se préfère aux autres, et en plus, il exige en retour qu'on le préfère, lui, à nous-mêmes. Ça, c'est pas possible. Quand on est occupé que de ses besoins, on ne jette pas sur les autres des regards envieux. On passe pas tout son temps à chercher à rabaisser tout le monde. Je la connais bien. Elle fait la passion de bien des gens. Et son mari en est fort jaloux. Il a toujours peur qu'elle en vienne elle-même à aimer quelqu'un de ce qu'il aime. Ben, il n'a rien à croire. Elle est trop folle. Trop folle ? Mais... Alors un homme ne peut-il lui plaire ? N'a-t-elle pas des yeux et des oreilles ? Oui, mais une femme de ce caractère-là n'achève jamais, ni de vous bien voir, ni de vous entendre. Il n'avait pas le temps de lui plaire autant qu'il le faudrait pour lui faire apprécier. Mais pourquoi cela ? Mais parce qu'une mouche vole et nous croise. Et de la mouche, elle passe, je ne sais pas, au premier miroir venu, puis de là à ses lunettes, puis de là à autre chose. Mais vous la rattraperez peut-être ? Ah oui, sûrement. Elle reviendra à vous par distraction, puis vous recommencerez. Mais il ne sera déjà plus. Votre habit, vous l'aura dérobé. Et quand vous lui direz qu'elle est charmante, eh bien, elle vous dira oh, que la couleur est bonne. Ah oui, mais ces femmes-là veulent vous plaire. Ah non, non, non. C'est pas à vous qu'elles veulent plaire, ni à personne, mais à tout le monde. Et à tout le monde rassemblé. Voilà. Cet objet-là, les fixe. Voilà leur amant, celui qu'elles écoutent et qu'elles aiment. Elles ne quittent pas les yeux, ils réunissent toutes leurs distractions. Alors si elles le quittent à droite, c'est pour le retrouver à gauche. Mais vous avisez-vous de vous isoler. Sortez-vous de la foule. Mais vous n'existez plus. Dieu, mais quel malheur. Donc vous êtes aussi de bien mauvaise compagnie. Seriez-vous amoureux de ce genre d'actrice par hasard ? Oh, mon cher ami, vous me voyez fort amoureux et même délaissé. Une femme charmante qui habite une ville voisine m'a laissé là après 3 semaines de passion. Et ce changement me tue. Mais fort bien ! Je vous conseille de prendre sur le champ 3 drogues assez amères. Et la première, vous allez voir tous les jours Madame de... Comment l'appelez-vous ? Madame de Dubois. Madame de Dubois, mais pardon, il est sublime pour vous. Donc vous verrez tous les jours Madame de Dubois. Mais surtout, ne vous avisez pas de vous montrer devant ses yeux froids et piqués. Hein. Souvenez-vous du grand principe de votre siècle. Soyez le contraire de ce à quoi l'on s'attend. Montrez-vous tel que vous étiez, tiens, il y a 8 jours avant d'être honoré de ses bontés. Oh, bah, j'étais tranquille, alors je croyais la prendre en pitié. Ben voilà, le papillon se brûle à la chandelle. Donc vous la verrez tous les jours. Et dans le même temps, vous ferez la cour à une dame de sa société. Et surtout, ne montrez pas les apparences de la passion, vous m'entendez. Et je dois vous l'avouer, votre rôle est difficile. Vous devez jouer la comédie, et si on devine que vous la jouez, vous êtes perdu. Oh mon Dieu, mais elle a tant d'esprit, moi j'en ai si peu, je suis perdu. Mais non, vous êtes simplement plus amoureux que je ne le croyais. Et votre Madame de Dubois, elle est comme toutes les femmes qui ont reçu du ciel ou trop de noblesse ou trop d'argent, elle est seulement occupée d'elle-même. Donc elle se regarde au lieu de vous regarder. Donc elle... Riche. Elle a les plus beaux yeux du monde et qui me plaisent passionnément. Elle tient
ce me semble. Cependant, ils nous plaisent. Notre amour propre a de l'inclination pour eux, mais nous sentons bien confusément qu'eux et notre cœur n'ont rien à démêler ensemble. Donc voilà si on aime, ma chère. Crois-moi, règle-toi là-dessus. Si on vous parle d'industrie, votre belle pensera à elle et pas à vous. Ce ridicule est divin et fort utile. Il vous empêchera de faire des bêtises auprès de ses beaux yeux. Hein? Donc, votre succès est certain. Vois-tu, si tu as 4 ans, tu as pour toi-même un amour de la valeur de tout celui qu'ils ont pour toi. Ah, il faut que tu saches que le plaisir de s'aimer si prodigieusement produit naturellement l'envie de s'aimer encore davantage. Et quand un nouvel amant t'acquiert ce droit, quand tu te vois les délices de ses yeux, je ne puis t'exprimer ce que tu deviens au tien. Tes conquêtes présentes et passées s'offrent à toi. Tu vois que tu as su plaire indistinctement et tu conclus en tressaillant d'orgueil et de joie que tu auras autant d'amants qu'il y a d'hommes s'il était possible d'exercer des yeux sur eux tous. Alors on est bien d'accord, hein? Pas l'ombre de passion quand vous parlerez à votre jeune beauté en présence de Madame Dubois. Et au contraire, passion brûlante en lui écrivant. Oui, parce que pour lui lire une lettre d'amour bien tournée, c'est un plaisir souverain. C'est une relâche pour elle. Elle ne joue plus la comédie, donc elle ose écouter son cœur. Donc, 2 lettres par jour, vous m'entendez? Jamais, mais jamais! Mais je me ferais plutôt piler dans un mortier que de composer 3 phrases. Mais qui je suis le cadavre. Attendez, regarde-moi. Hein. Laissez-moi mourir au bord de la route. Mais qui vous parle de composer des phrases? J'ai 6 volumes de lettres manuscrites et il y en a pour chaque caractère de femme. L'art de séduire est un métier, mon cher. Quoi? 6 volumes? Oh, alors là, je me fie à vous! Songe bien à méditer sur l'avidité de notre amour propre et sur la préférence qui donne le plaisir d'être aimé sur celui de lui-même. Mais tu sentiras que l'art de conserver ses conquêtes naît du désir bien ardent. Et papa, et tcha! Venez par ici. Nous ne nous vengerons pas de vous, nous vous corrigerons. Ce n'est pas votre vie que nous poursuivons. C'est la barbarie de vos cœurs que nous voulons détruire. Nous vous jetterons dans l'esclavage pour vous rendre sensible aux mots qu'on y éprouve. Nous vous humilierons afin que, nous trouvant superbe, vous vous reprochez de l'avoir été. Votre esclavage, ou plutôt votre cour d'humanité, rend vos maîtres contents de vos progrès, on vous libérera. Mettez à profit cette rigueur sanitaire. Vous voilà en mauvais état, nous entreprenons de vous guérir. Il y a moins de vos esclaves que vos malades. Et nous ne vous prenons que pour vous rendre humain. Dites-moi votre nom. Elle s'appelle Euphrosyne et moi Cléantis. Cléantis? J'ai aussi des surnoms. Vous plaît-il de les savoir? Oui, et quels sont-ils? Ah, j'en ai une liste. Sotte, ridicule, bête, butorte, imbécile, etc. Impertinente que vous êtes. Tenez, en voilà encore un que j'oubliais. Effectivement, le temps se le fait. Dans votre pays, Euphrosyne, on a bientôt dit des injures à ceux à qui on en peut dire impunément. Hélas, que voulez-vous que je réponde dans l'étrange aventure où je me trouve? Oh, dame! Il n'est plus si aisé de me répondre. Autrefois, il n'y avait rien de si commode. On n'avait affaire qu'à de pauvres gens. Fallait-il tant de cérémonies? Faites cela, je le veux, taisez-vous, saute! Voilà qui était fini. Mais aujourd'hui, il faut parler raison. C'est un langage étranger pour madame. Elle l'apprendra avec le temps, il faut se donner patience. Je ferai de mon mieux pour l'avancer. Modérez-vous, Euphrosyne. Et vous, Cléantis, ne vous abandonnez point à votre douleur. Je ne puis changer nos lois, nous en affranchir. Je vous ai montré combien elles étaient louables et salutaires pour vous. Mais comme vous êtes d'un sexe naturellement assez faible, et que par là vous avez dû céder plus facilement qu'un homme aux exemples de hauteur, de mépris et de dureté, vous a donné chez vous contre leur pareil. Tout ce que je peux faire pour vous, c'est de prier Euphrosyne de peu
peser avec bonté les torts que vous avez avec elle, afin de les peser avec justice. Oh, tenez, j'y comprends rien à tout ça, c'est trop compliqué pour moi. J'irai le grand chemin, je pèserai comme elle pesait, ce viendra vous prendre. Doucement, point de vengeance. Mais notre bonne amie, au bout du compte, vous parlez de son sexe. Elle a le défaut d'être faible. Je lui en offre autant. Je n'ai pas la vertu d'être forte. S'il faut que j'excuse toutes ces mauvaises manières à mon égard, il faudra qu'elle excuse aussi la rancune que j'ai contre elle. Car je suis femme autant qu'elle, moi. Voyons, qui est-ce qui décidera? Ne suis-je pas la maîtresse, une fois? Bah, qu'elle commence toujours par excuser ma rancune. Et puis moi, je lui pardonnerai quand je pourrai ce qu'elle m'a fait. Qu'elle attende. Quel discours faut-il que vous m'exposiez à les entendre? Souffrez-les, madame! C'est le fruit de vos œuvres. Alors, Euphrosyne, modérez-vous. Que voulez-vous que je vous dise? Quand on a de la colère, il n'y a rien de tel pour la passer que de la contenter un peu, voyez-vous? Quand je l'aurai querellée une douzaine de fois seulement, elle sera quitte. Mais il me faut cela! Votre ressentiment, et je vous y exhorte, mon ami. Bon, passons maintenant à l'examen de son caractère. Il est nécessaire que vous m'en donniez un portrait, qui se doit faire devant la personne concernée, afin qu'elle se connaisse, qu'elle rougisse de ses ridicules, si elle en a, et qu'elle se corrige. Ça va de bonnes intentions, comme vous voyez. Allez, commence. Oh, que cela est bien inventé! Allons, interrogez-moi, je suis dans mon fort. Je vous prie, monsieur, faites que je puisse me retirer le pointant de ce qu'elle m'a dit. Hélas, ma chère dame, cela n'est fait que pour vous. Il faut que vous soyez vraiment. Un peu de volonté vient de passer. Vaine, minaudière et coquette. Voilà à peu près sur quoi je vais vous interroger au hasard. Cela la regarde-t-il? Vaine, minaudière et coquette. Cela lui ressemble que son visage. N'en voilà-t-il pas assez, monsieur? Ah, je vous félicite, petit amarre. Vous sentez? C'est bon signe. Et j'en augure bien pour l'avenir. Mais ce ne sont encore là que les grands traits. Détaillons un peu ça. En quoi donc, par exemple, trouvez-vous les défauts dont nous parlons? En quoi? Partout? À toute heure? En tout lieu? Je vous ai dit de m'interroger, mais par où commencer? J'en sais rien, je m'y perds. Il y a tant de choses, j'en ai tant vu, tant remarqué de toutes les espèces que cela se brouille. Madame Sautet! Madame Parme! Elle regarde! Elle est triste! Elle est gaie! Discours, silence, regard, tristesse et joie, c'est tout un. Il n'y a que la couleur de différente. C'est vanité muette, contente ou fâchée. C'est coquetterie babillarde, jalouse ou curieuse. C'est madame! Toujours belle ou coquette, l'un après l'autre, les deux à la fois, voilà ce que c'est, voilà par où je débute, rien que cela! Je n'y saurais tenir! Attendez, je madame se lève. A-t-elle bien dormi? Le sommeil l'a-t-il rendue belle? Se sent-elle du vif, du saignant dans les yeux? Vite sur les armes, la journée sera glorieuse! On m'habille, madame verra du monde aujourd'hui. Elle ira au spectacle, aux promenades, aux assemblées. Son visage peut se manifester, il n'y a qu'à le promener hardiment. Il fera plaisir à voir, il est en état, il n'a rien à craindre. Elle est bien passée, bien cela. Madame, au contraire, a-t-elle mal dormi? Oh, qu'on m'apporte un droit. Que me voit la fête, que je suis mal partie. Cependant, on se mire. On éprouve son visage de toutes les façons, rien n'y fait. Des yeux battus, un teint fatigué, voilà qui est fini. Il faut envelopper ce visage-là. Nous n'aurons que du négligé. Madame ne verra personne aujourd'hui. Pas même le jour, si elle peut. Du moins, fera-t-il sombre dans la chambre. Cependant, il vient compagnie. On entre. Que va-t-on penser du visage? On croira qu'elle en lui dit. Donnera-t-elle ce plaisir-là à ses bonnes amies? Non, il y a un remède à tout. Vous allez voir. Comment vous portez-vous, madame? Oh, très mal, madame. J'ai perdu le sommeil. Il y a 8 jours.
monsieur. Figurez-vous au moins que ce n'est point moi. Remettez à me voir, ne me jugez pas aujourd'hui. Attendez que j'ai dormi. J'observais tout cela car nous autres, esclaves, sommes doués contre nos maîtres d'une pénétration. Oh, ce sont de pauvres gens pour nous. Courage, madame. Profitez de cette peinture-là, car elle n'est pas fidèle. Vous êtes des barbares. Je connais les gens. Ils instruisent. Voilà tout. Il reste encore à satisfaire une formalité. Encore des formalités. Celle-ci est moins que rien. Je dois faire rapport. Tout ce que je viens d'entendre et de tout ce que vous avez répondu. Convenez-vous de tous les sentiments coquets, de toutes les singeries impropres qu'elle vient de vous attribuer? Moi, je conviendrai de quoi? De pareilles postes sont incroyables. Très incroyable, comme dit l'art. Si vous en convenez, cela contribuera à rendre votre condition meilleure. Je ne vous en dis pas davantage. On considérera que vous étant reconnu, vous abjurerez un jour toutes ces folies qui font qu'on n'aime que soi. Et qui ont distrait votre bon cœur d'une infinité d'attentions louables. Si au contraire vous ne convenez pas de ce qu'on a dit, on vous regardera comme incorrigible. Et cela reculera votre délivrance. Voyez, consultez-vous. Ma délivrance. Eh, puis-je l'espérer? Oui, je vous la garantis. Aux conditions que je vous dis. Garde-t-on? Monsieur, faites bon comme si j'étais convenu de tout. Vous me conseillez de mentir. Mais en vérité, voilà d'étranges conditions. Cela révolte. Elles unies un peu, mais cela est fort. Déterminez-vous. Une liberté très prochaine et le prix de la vérité. Allons. Ne correspondez-vous pas au portrait qu'on a fait? Mais... Quoi? Il y a du vrai par-ci, par-là. Par-ci, par-là, c'est par-là. Avouez-vous tous les faits? On a-t-elle trop dit, Nadelle? Dites que ce qu'il faut. Avez-vous, j'ai autre chose à faire. Vous faut-il une réponse si exacte? Oui, madame. Et le tout pour votre bien. Eh bien. Prêt? Je suis jeune. Je ne vous prends pas votre âge. On est d'un certain rang, on aime à plaire. Voilà ce qu'il nous fallait. Vous trouvez aussi le portrait un peu ridicule, n'est-ce pas? Il faut bien l'appeler. Ah, merveille, je suis content, ma chère mère. Montrez un peu d'humilité. Et le moment que vous espérez arrivera. Je m'en fie à vous. Eh bien, moi, si je ne trouve pas une femme noble et radieuse, fidèle et bienveillante, eh bien, pas de demi-mesure, je vais être livré à cette créature immorale, infidèle, impitoyable. Cette grandeur égoïste, ben oui, en fait aussi un idéal. Si je ne peux goûter aux joies de l'amour, alors je veux boire jusqu'à la lie le calice de ses souffrances et de ses supplices. Je veux être maltraité, trahi par cette femme que j'aime. Plus elle sera cruelle envers moi, et plus je serai content. Eh oui, c'est aussi une forme de plaisir, vous savez. Vous perdez la tête? Moi, non, pas du tout. Je vous aime de toute mon âme, madame. Alors faites-le, moi, ce que vous voulez, je suis votre esclave. Cela m'amuserait beaucoup d'avoir un homme à ma merci. Oh oui, faites-le, faites-le. Jamais je ne pourrais être heureux si je dois regarder de haut ma bien-aimée. Il faut qu'elle se montre cruelle envers moi si je veux pouvoir l'adorer. Me croyez-vous capable de maltraiter un homme comme vous? Mais pourquoi pas, si je vous en adore encore davantage? Mais vous poursuivez donc ce qui fait fuir les autres? Ah bien, absolument, absolument. C'est ce qui fait ma singularité. Mais prenez garde cependant de ne pas devenir un martyr de l'amour. Martyr de l'amour? Mais l'égalité des conditions doit faire du serviteur et du maître des êtres nouveaux et établir entre eux de nouveaux rapports. Lorsque l'égalité est à peu près égale, les hommes changent sans cesse de place. Il y a toujours une classe de valets. Mais ce ne sont pas les mêmes individus, ni surtout les mêmes familles qui les composent. Et il n'y a pas plus de perpétuité dans le commandement que dans l'obéissance. Quand les prérogatives de naissance et de fortune sont détruites, que toutes les professions sont ouvertes à tous, et que l'on peut se hisser de soi-même au sommet de chacune d'elles, une carrière immense et aisée, sans...
même égalité qui permet à chaque citoyen de concevoir de grandes espérances rend individuellement tous les citoyens faibles. Ils limitent de tous côtés leurs forces, en même temps qu'elle permet à leurs ambitions de grandir et de s'élargir. Mais non seulement ils sont impuissants par eux-mêmes, mais ils trouvent à chaque pas d'immenses obstacles qu'ils n'arrivent point à percer d'abord. Et bien sûr, ils ont détruit les privilèges de quelques-uns leurs semblables et ils rencontrent la concurrence de tous. La borne a changé de forme plutôt que de place. Cette opposition constante qui règne entre les instincts que fait naître l'égalité et les moyens qu'elle fournit pour les satisfaire tourmentent et fatiguent les âmes. Mais on peut concevoir arriver à un certain degré de liberté qui les satisfasse entièrement. Ils jouissent alors de leur indépendance, sans inquiétude, sans ardeur. Mais non, les hommes ne fondront jamais une égalité qui leur suffise. Les peuples auront beau faire des efforts, jamais ils ne parviendront à une égalisation parfaite des conditions en leur sein. Et s'il avait le malheur d'arriver à ce nivellement absolu et complet, il resterait encore l'inégalité des intelligences qui échappera toujours aux lois. Oui, quelque démocratique que soit l'état social et la constitution politique d'un peuple, on pourra toujours... il faut compter qu'on apercevra des citoyens qui aperçoivent près de soi des quelques points qu'ils dominent et qu'ils tournent obstinément le regard de ce seul côté. Quand l'inégalité est la loi commune d'une société, les plus fortes inégalités ne frappent point l'œil. Mais quand tout est à peu près de niveau, les moindres le blessent. C'est pour cela que le désir de l'égalité devient toujours plus insatiable à mesure que l'égalité est plus grande. Mais alors... Bienvenue dans la modernité. Soirée sur le déclin. J'ai assez de liquide pour me payer de l'herbe et aller me défoncer avant d'aller à Jeudi Vrogne. Alors je finis ma pierre et je remarque cette somptueuse première année. Cheveux blonds coupés courts, corps superbe que j'ai baisé dès une quinzaine. Et je veux aller lui parler. Mais Mitchell allume déjà la cigarette de la fille et je veux pas m'en mêler. Alors je continue à
à siroter ma bière en surveillant cette fille du coin de l'œil, quand une autre fille s'approche de moi. Ivre. Elle s'appelle Dèvre. Quatrième année, poitrine corrèze. Et je l'ai même vu voler un livre de Dante avec elle. Hé, on se connaît. Ah, si cette plaisanterie est nulle, on se connaît pas, ça. Oh, comment tu t'appelles? Peter. Boah, Peter, c'est pas ton nom. Mais si, ça l'est. Et je continue de surveiller cette première année excitante. Mais elle refuse de regarder de mon côté. Ah, puis Mitchell lui tend déjà une autre bière, trop tard. T'es pas en première année. Première année. Sans blague? Ouais, première année. Ouais, j'aurais cru, vraiment, j'aurais cru que t'étais plus vieux que ça. Non, première année, Peter, la première année. Regarde, Mitchell est en train de murmurer à l'oreille de cette fille. Ils se mettent à l'écart, elle rigole. Il continue de murmurer à l'oreille. Et puis, elle bronche pas. Et puis voilà, elle veut partir avec lui. Enfin, j'aurais juré que tu t'appelais Brian. Alors, je réfléchis aux possibilités qui s'offrent à moi. Je peux me tirer tout de suite, aller dans ma chambre, taquiner ma guitare, dormir. Ou alors, je peux jouer aux Quarters avec Birgit, Tony et ce con de LA. Ou alors, je peux embarquer cette fille. Aller boire un coup au Colisée en dehors du campus. Et puis, la planter là. Ou alors, aller dans ma chambre. Et en espérant que mon coloc n'est pas là, puis m'envoyer en l'air et la sauter. Mais bon, j'ai pas vraiment envie de ça, et puis elle me branche pas beaucoup, mais comme Mitchell est déjà parti avec la belle première année, et que j'ai pas cours demain, je me dis pourquoi pas. Je finis par rentrer avec elle. Mais qu'est-ce qu'il y a? Cette fille est chiante, puis sexy, donc on finit par rentrer dans sa chambre. Alors, je me déshabille, et on commence à se caresser. Elle a oublié son diaphragme, alors elle essaye de le remettre. Elle s'étale du geste sur toute la main, sauf sur le diaphragme. Et comme elle est trop bourrée pour trouver l'endroit où glisser, j'essaye quand même de la sauter. Mais comme elle n'arrête pas de gémir... Peter, J'arrête. J'ai vaguement envie de vomir. Au lieu de ça, je me tire 2-3 traces de narguilés, je me barre. À faire classer rock'n'roll. Je suis allé au jeu d'Ivrogne à Vidal. Mais comme ça me plaisait pas trop, je pensais à Victor et restais seule. Judy est passée à l'atelier, déjà ivre, et elle a essayé de me consoler. On s'est pété et je me suis sentie encore plus seule en pensant à Victor. Il est tard, nous sommes à la fête, mais c'est plutôt morne. Nous trouvons de la bière tiède et vantée que nous buvons. Judy se branche sur un type de fête, mais je sais qu'elle en pince pour ce type de Los Angeles. Il joue au Quarters avec Tony, lequel me plaît bien. J'ai d'ailleurs couché avec lui lors de mon deuxième trimestre ici. Et cette fille, Bernette, qui je crois fréquente ce type de LA, peut-être Tony. Ça passe pas grand-chose. Je songe à partir quand quelqu'un entre que je ne veux pas voir. Je me mets à parler avec ce premier LA qui s'oublie. Oui, je regarde Tony en me demandant s'il est intéressé. Me renvoie mon regard, lève le pichet, hausse les sourcils à l'autre du salon, mais je ne sais pas si c'est une proposition pour jouer au quarter ou pour coucher. Oh, comment vais-je dépatouiller ce type? D'autant qu'il y a ce quelqu'un que je ne veux pas voir et que pour aller là-bas, je devrais passer devant lui. Je reste donc là à parler avec ce crétin qui me lance sur un pied qui croit brancher. Hé, hey, Laura! Alors que je répète sans arrêt, écoute, ne m'appelle pas Laura, tu couches. Et comme il continue d'appeler Laura, je suis sur le point de lui dire de ficher le camp quand je réalise soudain que je connais pas son nom à lui. Steve, je m'appelle Steve. Quoi Steve? Steve! Première année typique, l'air de ivre mais pas trop. Que regarde Steve? Pas le type de LA? Mais cette fille, Bernette, qui refuserait de coucher avec ce premier année Steve débranché. Enfin, peut-être qu'elle accepterait. Impossible de ne pas penser à Victor. Mais pourtant, Victor est en Europe. Breski pour Yuski. Bon Dieu, débranché, me dit que je vais pas toucher à ma guerre. Il touche, je passe le doigt sur le bord du gobelet en plastique. Bah voilà. Pourquoi me donne-t-il? Croit-il réellement que je vais coucher avec lui? Tony regarde toujours de mon côté. Oh là 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 là, au secours! Je désire savoir pourquoi j'ai envoyé 4 cartes postales à Victor sans jamais recevoir la moindre réponse. Mais je préfère ne pas y penser et je pars brusquement avec le chien. Parce que... Il y a plus
arrêtez de m'affoler là. Nous voilà en route. Moi qui m'étais promis d'être fidèle à Victor quand lui-même m'avait promis d'être fidèle. Oh, mais il n'a que faire maintenant dans la chambre de débrancher. Il examine sa coiffure dans le miroir et me dit que son coloc passe la nuit dans le Vermont. Et pourquoi lui dis-je pas que mon petit ami, la personne que j'aime, qui m'aime, qui me manque, à qui je manque, est en Europe et qu'en aucun cas je devrais faire ça. Il a un réfrigérateur, il sort une bec, super. Il boit une gorgée, il boit une gorgée. Il retire son chandail L.L. Bean et son t-shirt. Il a un corps correct, deux belles jambes. Il joue probablement beaucoup au tennis. Mais t'as pas de l'herpès ou un truc comme ça, hein? Non. Ah. Si seulement j'étais ivre. Il dit que certains racontent que j'en ai, mais je préfère ne pas savoir qui colporte cette rumeur. Si seulement j'étais ivre morte. C'est plutôt agréable, mais je suis pas dans le coup. Allongée, je pense à Victor. Victor. La grande réconciliation. J'embrasse la terre. Rédemption de la fête, de la danse, des lumières rouges et jaunes, des parquets de balles, du volume trop fort dans la tête dans les baffles, les gens dans les baffles, toute la vie dans les baffles. Une soirée. Hey, les garçons, on se fout de ce que vous avez à dire, hein? Draguez plutôt les filles, changez de jeu, vous n'avez qu'à être sentimental. Fini de parler, il est temps de tomber amoureux, d'inviter une fille à danser. L'amour et la danse ne sont plus les angles morts de votre pensée. Juste ce soir. La musique est bonne, c'est son métier. Elle est fille, fille à venir. Et ce sont les filles qui essentiellement, mais pas exclusivement, ménagent cet espace transitionnel. Bien sûr, ce n'est pas leur faute, il faut voir ce qu'elles se tapent comme privation. Et un jour, elle sera tout à fait virile, tout à fait forte, une guerrière. Dans un avenir qui n'aura plus besoin du féminisme. Dans un avenir qui permettra à une fille d'être dans le flux de la vie sans se faire traiter de pute. Ce sera quoi? Peut-être jamais. Mais en attendant, on a le droit d'avoir peur de crever de solitude, d'avoir envie d'un peu de confort, d'être malheureuse, fragile, d'avoir envie. Pas être un héros, un surhomme ou un martyr. On peut vouloir le couple comme une exigence minimale, comme une dignité, un RMI d'amour, une CMI des sentiments. On peut accepter l'alliance partout sauf là. Sauf en amour. Oui, le couple est salvateur. Parce qu'il permet de gérer les insuffisances, les carences. Il satisfait le corps désirant et les lois sociales. Il pose son homme et propose à chacun de vider son sac. Mais ici se tracent les limites de sa virilité. Ici, elle retrouve son statut sexuel initial. Mais il reste cette tension par laquelle elle continue son devenir. Mais elle n'oublie pas le monde. Elle cherche le compromis. Mais pas celui qui ne tient pas. Pas le tienne, le vanca, non. Celui qui assure la paix, sa pérennité, son consensus dur. Je voudrais te présenter quelqu'un. Ah, elle voudrait te présenter quelqu'un. Je veux te présenter un garçon.
Un garçon à former. Elle veut te présenter un garçon à former. Je voudrais que tu formes un garçon. Un garçon très jaloux. Un garçon qui veut savoir avec qui sa copine va dîner. Un garçon qui donne sa main moite dans la rue. Un garçon qui aime la vulgarité des filles en bottines, mais pas la vulgarité des filles qui boivent. Un garçon qui adore les petits plats préparés avec amour. Un garçon qui pense que les filles n'aiment pas le foot, mais qu'elles sont toutes folles de Lizarazu. Un garçon convaincu que les hommes viennent de Mars et les filles de Vénus. Et qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse avec ce pauvre type? Mais qu'elle lui apprenne la vie comme elle sait le faire. Un petit coup sec sur la nuque. Et tu sais, le coup du lapin aux hommes, comme ça, par surprise. La nuque brisée par la lutte des femmes. L'égalité des sexes pour leur faire baisser la tête. Mais c'est pas mon problème. Je veux ni l'égalité ni la guerre des sexes. Je veux un seul sexe. Le sexe viril, univoque, interchangeable. Je veux que tout le monde relève la tête. Ce n'est pas son problème. Mais non, elle ne veut ni l'égalité, ni la guerre des sexes. Elle veut un seul sexe, le sexe viril, univoque, interchangeable. Elle veut que chacun relève la tête. Comme si toi, tu n'avais plus pitié de moi. Comme si moi, j'avais pas de revanche à prendre. Comme si plus aucune femme n'avait besoin de dire à un homme, je t'emmerde. Comme si plus aucun homme ne pensait dans un sourire, tiens, aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Je veux plus de filles et de garçons. Plus de cow-boys et d'indiens. Plus de colons et de colonisés. Je veux un seul camp. Ouvert à toutes les fictions, à tous les transferts. Un camp à rebours des identités sexuelles, pour y mettre tout le monde, sous la seule égide de la force, de la volonté, de l'intelligence, de la parole, de la virilité. J'ai pas dit la domination masculine, j'ai pas dit masculin, j'ai dit viril, mais la puissance pour tous, sans distinction, sans territoire, sans héritage. Présentant le front qui me plaît quand cet être me quitte. Et le front mort, si nous le savons à notre capacité à disposition. Et je sentais que ma vie avec les femmes n'était, pour une part, quand je n'étais pas jaloux, que souffrance. Pour l'autre part, quand j'étais jaloux, que souffrance. Mais à supposer qu'il y ait du bonheur. Il arriverait si nous arrivions à analyser nos amours, de voir. Que souvent, certaines femmes ne nous plaisent que par le contrepoids d'hommes à qui nous devons les disputer. Une fois ce contrepoids de supprimé, chaque la femme. En amour, notre rival heureux, autrement dit notre ennemi, est notre bienfaiteur. À ceux qui n'inspiraient en nous qu'un insignifiant désir physique, il ajoute immédiatement une dimension nouvelle et étrange qu'il confonde avec lui. Avec le désir. S'il n'avait pas de rivaux, le plaisir ne se transformerait en amour. S'il n'en avait pas ou s'il ne croyait pas l'avoir. Car il n'est pas nécessaire qu'ils existent réellement. Suffisante est pour leur bien cette vie illusoire que donnent à des rivaux inexistants leurs soupçons, leur jalousie. Eh oui. Ces dilemmes douloureux que l'amour nous pose à chaque instant nous instruisent, nous découvrent successivement la matière dont nous sommes faits. Sur la littérature, beaucoup, je vois, ça a écrit un
ouvrages sur le savoir et la littérature. Et puis, Nouda, il a un très beau livre sur Marcel Proust. Voilà. Et donc, je vais passer la parole à Bruno qui va, faire une petite, transition. Oh, merci, merci Jean-Pierre. Je ne suis pas du tout philosophe, hein. Je suis professeur de littérature. Mais bon, j'accepte l'étiquette. Bon, le spectacle m'a beaucoup plu, hein. Je le dis et je le répète. J'ai trouvé ça très réussi. Et je crois que mon rôle en premier, c'est peut-être d'essayer de, d'expliciter le lien entre René Girard, qui est le point de départ, le sujet du spectacle, et puis les extraits qui ont été présentés. Ce ne sont pas du tout des extraits de René Girard, et d'un recueil d'auteur, de Rousseau, de Marivaux, le plus ancien, jusqu'à Proust. Hein, les derniers extraits, c'était Proust. Bon. Alors, avant que la discussion parte dans nos différentes directions, donc, il était convenu que je commencerais à essayer de pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde, d'expliciter ce lien. Alors, Girard, vous le savez, c'est le désir mimétique. Hein. C'est à la fois très simple et très compliqué, mais on peut le résumer en une formule, tout désir est mimétique. Alors, où est-ce que nous avons vu ça dans ces spectacles? Dans certains textes, c'est plus évident que d'autres. Par exemple, les textes de Proust, il y avait des citations. Hein. De Proust, c'était en fin de spectacle. Par exemple, cette phrase bien remarquable, « Souvent, certaines femmes ne nous plaisent par raison du contrepoids d'hommes à qui nous les enlevons. » Là, on voit très très bien l'œuvre de la jalousie, de l'envie, l'idée en tout cas qu'un objet, en l'occurrence une femme, mais ça peut marcher sur un homme ou sur n'importe quel objet, un objet n'est peut-être pas tellement intéressant en lui-même, mais en raison des rivalités et surtout des victoires dans les querelles de rivalité qui se sont produites. Dans ce cas, je crois qu'on voit très bien l'œuvre du mimétisme, c'est-à-dire de la rivalité. Parce que le mimétisme, hein, je peux le rappeler quand même, si on désire un objet, non pas pour lui-même, mais par rivalité avec qui que ce soit, on entre dans une logique de violence. Et bon, c'est donc ça que montre Proust. Et on pourrait extrapoler, je crois, si on avait envie de parler de Proust ce soir, montrer que finalement, toute la psychologie amoureuse de Proust est résumée par cette simple phrase. C'est-à-dire que jamais les héros de Proust ne sont capables d'établir une relation de couple, une relation où il y ait un intérêt, une connaissance et un intérêt réel pour la personne de l'autre, mais que c'est des circonstances comme l'attente, l'obstacle, la difficulté d'approcher, d'être aimé, et la présence réelle ou imaginaire d'un rival. Ce sont ces circonstances-là, bon, d'autres aussi, bon, je ne vais pas analyser maintenant, qui font l'amour, mais un amour évidemment fragile, et qui se dissipe en général lorsque l'objet désiré se laisse saisir. Ça, c'est vraiment un paradoxe proustien. C'est comme ça qu'on navigue toujours de la jalousie à l'envie. Et l'être aimé perd toutes ses vertus, et toutes ses grâces, tous ses charmes, si enfin on arrive à le posséder. Voilà. Alors ça, on l'a vu aussi dans l'extrait de Stendhal, hein, où il y avait un cas de jalousie, puisqu'il s'agissait d'un amant éconduit de conseiller d'envoyer des lettres fictives à une autre femme pour s'en faire aimer, pour susciter la jalousie, hein, de Madame de Dubois. Bon, ça c'est un extrait du Rouge et Noir. Donc c'est la stratégie très banale de la jalousie. Bon, la jalousie, c'est du désir mimétique. Stratégie de la jalousie ou de l'envie, hein, ces mots sont presque synonymes. On pouvait l'observer aussi dans le passage de Tocqueville qui expliquait qu'en démocratie, eh bien, les inégalités avaient beau être réduites, il en existait toujours un petit peu. Et eh bien, les hommes, au lieu d'être contents et moins jaloux d'être à peu près tous au même niveau, en réalité, c'est le contraire qui se produisait. Ils étaient toujours plus jaloux, toujours plus envieux. Et Tocqueville, bon, est vraiment un analyste très fin et aussi assez pessimiste de la démocratie, parce qu'il montre que les rivalités sans fin, pour des têtes d'épingle hein, peut-être, vont continuer à empoisonner notre existence et à nous rendre malheureux, aussi bien nous-mêmes que nos rivaux, à
emploieront sans arrêt à faire des croix-gorgées. Alors, Stendhal, Proust, Tocqueville. Il y a un autre, bon, je ne vais pas garder la parole longtemps, mais il y a une autre chose que je crois intéressant de souligner, c'est le problème de l'amour propre, qui était d'abord présenté de façon théorique, mais que je trouvais très amusant, dans le tout début, hein, il y avait un texte de Rousseau, tiré du discours sur l'inégalité, où Rousseau explique qu'il y a l'amour de soi, qui est une chose légitime et naturelle, tout à fait acceptable, et puis quelque chose de beaucoup plus pernicieux, qui est l'amour propre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour propre et quel rapport avec le mimétisme ? L'amour propre, c'est certainement le désir de paraître, le souci de mon image devant autrui. Pour l'appeler autrement, on pourrait dire le besoin de reconnaissance. Et ça, c'est un sentiment très dangereux, d'après Rousseau, parce que c'est lui qui va nous introduire justement dans un désir de paraître à tout prix, et donc aussi dans des rivalités, et on entre là dans la psychologie de la coquette, hein, qui a été très, très bien mise en scène, surtout dans le passage de Marivaux, de l'île des esclaves, sur lequel je reviendrai un instant. Alors, cette question de l'amour propre, je dirais deux choses à son sujet. Première chose, c'est que c'est une vieille histoire, hein, parce que depuis Saint-Augustin, c'est-à-dire depuis 10 siècles au moins, il y a toute une psychologie de l'amour propre qui s'est déployée chez ce qu'on appelle surtout les moralistes classiques, hein, ces jansénistes comme Pascal, La Rochefoucauld et beaucoup d'autres, qui ont fait un tas de remarques, des analyses d'une profondeur vraiment passionnante à mon sens. Et si vous me demandez mon avis sur la question, je dirais que c'est un peu dommage que la psychologie moderne ait quand même beaucoup laissé tomber tout ça. Et je pense à la psychanalyse, finalement, parce qu'il y a des mines d'analyse, d'une richesse insondable, qu'on a un petit peu, beaucoup, laissé de côté avec cette question d'amour propre. La deuxième remarque, c'est de bien expliciter le lien entre l'amour propre et le désir mimétique. Le René Girard. Le lien est assez facile à trouver. C'est que dans le désir mimétique, je veux dire, le désir mimétique, on pourrait dire, même si René Girard ne fait pas ces termes, que le désir mimétique a l'amour propre comme origine, comme infrastructure. C'est-à-dire que si je désire systématiquement le journal de mon voisin, de ma voisine, comme l'illustrait le premier extrait, c'est parce que je ne suis moi-même pas très au clair, pas très satisfait de mon identité, ontologique, ça veut dire vraiment au sens le plus profond, c'est que j'ai un doute sur moi-même, je ne sais pas très bien ce que je veux, alors je veux le journal d'autrui. Mais ça signifie, je ne sais pas si j'ai encore été assez clair, qu'il y a un déficit, il y a une dépendance, voilà, il y a une dépendance morbide du regard d'autrui, de l'opinion d'autrui, voilà, l'amour propre c'est ça. Et c'est justement quand on ne sait pas très bien ce qu'on veut, qu'on est incapable de décider par soi-même de quoi on a envie, et qu'on regarde à droite, à gauche, ce que font les autres, hein, parce que on ne s'aime pas suffisamment, on s'aime mal, et on essaye de se rendre plus aimable à ses yeux et aux yeux d'autrui en adoptant les attitudes et les attributs, fût-ce un journal qui traîne, ou une marque de cigarette, ou un...